L'excellence française dans la mode remonte sans doute au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV. C'est au XIXe que naît le défilé et la notion de collection avec Frédéric Worth. Il faudra attendre les années 1880 pour que le terme haute couture soit définitivement établi. Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance. Nous sommes dans l'appartement d'une légende de la haute couture parisienne, celui de Gabrielle Chanel. Elle va créer sa maison en 1909, mais va s'installer ici, rue Cambon, à Paris, à partir de 1910. C'est ici qu'elle recevait ses plus proches collaborateurs, ses mannequins, mais aussi et surtout ses artisans d'art qui travaillaient pour et avec elle. Nous allons maintenant partir à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui donnent vie à ces collections, ces véritables trésors de la haute couture française. Pour vous, nous avons poussé les portes des plus grandes maisons, Chanel, bien sûr, mais aussi Christian Dior, Schiaparelli, Yves Saint Laurent, entre autres. C'est dans les ateliers de ces maisons que nous avons rencontré les virtuoses de la haute couture. Le temps d'une collection, nous avons vécu avec les brodeurs, plumassiers, bottiers, plisseurs les plus expérimentés, tous passionnés qui nous ont fait partager leur savoir-faire. Je pense que quelqu'un qui regarde de près la broderie ressent cette émotion. La broderie, c'est de l'émotion, ouais. C'est chez le brodeur Le Sage que les petites mains s'activent sur une pièce unique qui a nécessité plus de 800 heures de travail. Chez le plumassier Le Marié, les artisans créent sous nos yeux une robe aux 12 500 plumes cousues une à une à la main. Pendant que dans les ateliers de couture Chanel, les premières nous livrent leurs secrets de fabrication. Nous avons aussi suivi les stylistes dans leur démarche créatrice. Ils puisent leur inspiration dans un patrimoine unique. Toujours le même plaisir. Oui. Ça, c'est superbe. Ça, ça doit être la collection Cirque, non? Nous sommes allés à la recherche des pièces les plus audacieuses et novatrices des plus grandes maisons. Les broderies en béton de Chanel ou la robe en porcelaine de Schiaparelli. Enfin, les maisons Yves Saint Laurent et Christian Dior nous ont ouvert leurs réserves pour découvrir les pièces mythiques qui ont fait la réputation de ces grands couturiers. Et pour la première fois, la maison Chanel a autorisé une caméra à filmer, dans son sanctuaire incroyable, quelques-uns de ses 6000 trésors. Des trésors qui, depuis plus d'un siècle, font de Paris et de la France le centre du monde. Quelque part, on est quand même des créateurs de rêves parce qu'il y a des gens qui arrivent avec des projets fous et... on arrive à leur donner satisfaction. Juillet 2016, la collection Haute Couture Automne-Hiver investit la capitale de la mode. Pendant une semaine, Paris accueille une trentaine de défilés. Sur les podiums, des tenues d'exception, imaginées par des créateurs mais brodées, plissées, coupé par des artisans d'excellence qui travaillent dans l'ombre des grandes maisons. Ce jour-là, un grand styliste, Karl Lagerfeld, rend un hommage appuyé à ses petites mains des métiers d'art, à travers le décor du défilé transformé en atelier, mais aussi à travers les quatre premières qui dirigent les couturières de la maison Chanel. C'est avec elle qu'il a choisi cette fois-ci de partager les applaudissements du public. J'avais envie que les premières et les ouvrières voient leur collection défiler. Et en plus, comme c'était très près du public, je trouvais ça donnait une osmose assez intéressante. Non ? C'est amusant que les gens voient comment les grands luxes se fabriquent, que c'est fait comme il y a 100 ans. Et parmi les quatre premières mises en avant, Cécile, 15 ans de maison, 40 ans de métier, que cet hommage a bouleversé.
j'ai du mal à formuler l'émotion que je ressens parce que c'est un métier qui est dur. Il faut être passionné, il faut être patient pour le faire, il faut une persévérance de tous les jours. C'est mettre en avant toutes ces filles qui sont sur le tabouret à tirer l'aiguille tout le temps. Les plumassières, les brodeuses, tout le monde au travers de nous, les premières, il a mis tout en avant. Et ça, c'est... Il n'a pas de mots, j'ai pas de mots. Mettre en avant tous ces métiers d'art, c'est reconnaître que sans eux, la haute couture n'aurait pas existé. Une évidence pour Bruno Pavlovski, président des activités mode de Chanel. Ils ont cette capacité à proposer, à rebondir, à interpréter les demandes qui sont faites. C'est quelquefois quand même des niches assez spécifiques, hein. C'est une petite partie d'eux, mais cette petite partie ajoutée à une autre petite partie font que... l'objet, la robe devient tout à fait magique. Donc oui, aujourd'hui, il n'existe, enfin, sans ces métiers d'art, la haute couture ne pouvait pas être ce qu'elle est. Et notamment sans la broderie. La maison Dior s'adresse à l'atelier Vermont, situé dans le Vieux Paris, Faubourg Poissonnière. 6 jours plus tôt, tout l'atelier s'activait encore sur les broderies d'une basque pour un tailleur pantalon de la collection automne-hiver de la maison Dior. On doit rendre pratiquement tout aujourd'hui, demain et après-demain. Pour chaque broderie commandée, tout commence par un échantillon élaboré par les brodeuses de la maison Vermont selon les demandes et les exigences de la maison de couture. À la base, l'échantillon est fait ici. Les filles le créent sous une directive évidemment de la maison Dior. Ils nous donnent les couleurs, on veut de l'or, de l'argent. Après, ils choisissent et là, il a été validé tel quel. Pour le reproduire, l'échantillon est dessiné, minutieusement légendé et reporté sur un calque piqué à la main avec dextérité par les dessinatrices. Donc je suis vraiment ma légende pour pas qu'il y ait de confusion après au niveau de la broderie. Chaque type de perle est soigneusement noté et codifié. Là, ici, nous avons le travail des tubes en orgue de différentes couleurs. Qui se retrouve ici. Ça, c'est l'axe de pose des tubes. Et là, ça va être la couleur. La croix représente le noir, le petit trait représente l'argent et le point représente l'or. Comme ça, la brodeuse, elle saura exactement quoi mettre et dans quel sens le mettre. On double toujours les calques. On garde le dessiné tel que pour pouvoir faire la légende après. Et on prend celui qu'on a piqué. Donc, il n'y a pas le dessin, il n'y a que le dessin qui est piqué. Et donc là, je viens passer la poudre. Et là, je viens alcooliser. Je viens sécher, voire fixer. Une étape préparatoire essentielle pour que les brodeuses puissent travailler. Je t'apporte un autre morceau de la basque. D'accord. Avec son dessin légendé. D'accord. Et l'échantillon, voilà. Okay. Depuis des siècles, les gestes sont les mêmes, les techniques se perpétuent de génération en génération. C'est la technique du crochet de Lunéville. C'est une technique qui a été mise au point à Lunéville il y a plusieurs centaines d'années maintenant. Mais donc c'est un savoir-faire qu'on a gardé et qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc c'est pour poser en fait tout ce qui est fourniture, donc perles ou paillettes. La particularité de cette technique, c'est qu'on va poser toutes les fournitures en fait à l'envers. Et Mathilde pousse à chaque fois, vous voyez en dessous avec son doigt, la matière. Ça peut être une paillette, une perle ou un tube. Et une à une, elle est posée et maintenue par une chaînette. Mathilde, vous en êtes où ? J'ai bientôt fini, il me reste les petits ponts, les petits froufrous là en vert. Ouais. Est-ce que la basque est du coup toute terminée ? Les morceaux. Oui, c'est le dernier. Donc, Et après, j'ai la veste. Là, paillette. Oui. Toi, tu me fais quoi, le dos ? C'est le demi-dos. Demi-dos. Oui. On va présenter cet échantillon qui est fait de lame. Donc, vous voyez, c'est de la lame argent et de la lame or, des perles et des petites fleurs. Donc la lame se présente, hein, vous le voyez, sur les métiers, sur le métier d'Elsa. Voilà la lame, c'est du métal. Ce sont des rubans de métal qu'on va poser. Là, vous voyez, on a fait un petit bourrage. Et après, on lance. Là, ce que fait Tomomi, on lance de la lame
pour recouvrir le bourrage et faire une forme de grappe. Là, vous voyez que c'est, l'intervention de la machine n'existe pas. Hein. C'est tout... on brode comme on pourrait broder il y a 100, 150 ans, c'est toujours pareil. Ces brodeuses sont les héritières de savoir-faire d'excellence à la française, liées à notre histoire. Ils ont été codifiés pour certains au XIIIe siècle. Et puis, c'est Louis XIV qui a installé vraiment tous les métiers d'art au service de la gloire de l'État. L'art et la mode au service de l'État. Il a fait venir des artisans de l'Europe entière, les plus spécialisés dans chaque domaine du luxe. Il a installé avec Colbert des manufactures. Et à partir de là, ça a été un art total qui a rayonné partout en Europe et même dans le monde, bien au-delà de l'Europe. Un héritage unique que l'on sauvegarde depuis longtemps, comme ici dans la Maison Le Sage, l'atelier de broderie le plus prestigieux créé en 1924. Muriel Lemoine est la directrice du patrimoine Le Sage. Aujourd'hui, elle reçoit Bertrand Guyon, le styliste haute couture de la marque Schiaparelli, pour une séance de travail. Dans ses boîtes, 75 000 échantillons créés par l'atelier Le Sage pour les plus grands couturiers de Chanel à Yves Saint Laurent. Un siècle de haute couture. C'est toujours émouvant de regarder ces boîtes. Toujours le même plaisir. Oui. Ça, c'est superbe. Ça doit être la collection Cirque, non? Je pense. Oui, je pense. Ici, dans toutes ces boîtes, vous avez... toute l'évolution de l'histoire de la mode de la fin du 19e jusqu'à nos jours. C'est inouï, c'est unique d'ailleurs. Je crois qu'il n'existe aucune maison à avoir une archive aussi importante. Un trésor inestimable pour les stylistes d'aujourd'hui qui viennent y puiser leur inspiration. Ça fait vraiment partie intégrante du patrimoine français et c'est quelque chose qu'il faut préserver à tout prix. C'est une richesse que nous envie le monde entier. Pour sa prochaine collection, Bertrand Guyon vient s'imprégner des échantillons d'Elsa Schiaparelli, l'une des grandes créatrices de l'entre-deux-guerres, dont il représente aujourd'hui la maison. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre le travail d'Elsa Schiaparelli et d'essayer de le traduire sans la trahir, le reproduire à l'identique, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. En revanche, ce qui est intéressant, c'est retraduire les chevaux de manège en le traitant avec des sensibilités d'aujourd'hui, des matières et un goût d'aujourd'hui. Oui, c'est joli ça. Bon, elle est un petit peu abîmée, mais... Ces trésors témoignent aussi de l'extraordinaire inventivité des stylistes, et notamment d'Elsa Schiaparelli, la première à avoir introduit en haute couture le rose shocking et les couleurs vives. Vous avez une association, un mélange des couleurs que l'on ne retrouve pas forcément à cette époque. Et la Maison Le Sage a su, avec elle bien évidemment, travailler sur des associations, des mélanges. En fait, vous avez du turquoise, du shocking, les mélanges de lames très utilisés à cette période. Des strass, mais pas trop. Et chaque échantillon, même le plus petit que vous trouvez dans nos boîtes, eh bien, est complètement magique en couleur. Et on imagine aujourd'hui, en 2016, tout à fait, porté. Et on a vraiment ce sentiment que l'échantillon a été créé aujourd'hui. Et ça c'est assez exceptionnel. Elsa Schiaparelli a ouvert sa maison de couture à Paris, place Vendôme, en 1927. Cette aristocrate italienne, grande rivale de Gabrielle Chanel, a révolutionné la haute couture de l'entre-deux-guerres. Schiaparelli va travailler avec une manière très particulière puisqu'elle va introduire l'art dans la mode en travaillant avec des artistes, notamment avec Dali et avec sa femme Gala. Elle va faire des choses assez extravagantes. Elle va travailler par thème. Et ça, c'est un point important parce que c'est la première qui va mettre au point des thèmes comme le cirque, le cosmos, la musique, etc. Et elle va donner à tous ses fournisseurs ce thème sur lequel ils vont broder.
Le musée Galliera à Paris conserve quelques-uns des vêtements emblématiques de la styliste. C'est dans ses réserves que se trouve la célèbre cape Phébus, le nom du dieu soleil dans la Grèce antique. Elle a été réalisée par la maison Le Sage pour la collection Cosmos de 1938. Ce qui est particulièrement frappant dans cette cape, c'est évidemment le dos qui donne donc son nom au modèle, la cape Phébus, avec ce soleil rayonnant particulièrement remarquable. Cette cape est emblématique par sa couleur, rose shocking, qui est tellement, qui résume presque à lui seul ce qu'est Elsa Schiaparelli. Il y a quelque chose qu'il faut également voir, mais qui ne se découvre que quand on retourne la pièce. C'est le travail de la doublure qui manifeste un très, très grand raffinement. Vous voyez qu'il y a un travail qui donne l'illusion d'une sorte de capiton avec des boutons en fil métallique, donc passementerie dorée, sur ce fond rose shocking. Il est certain que là, si on parle de cet exemple précis, la collaboration avec Le Sage est particulièrement remarquable. Chez Le Sage, l'échantillon est encadré tel un trésor, symbole de l'âge d'or de la maison. Une période particulièrement novatrice où Madame Le Sage avait poussé à l'extrême l'excellence de son savoir-faire. C'est elle qui a inventé dans les années 30 un point mythique, le vermicelle carré, une merveille de technique et d'esthétique. Le vermicelle carré, vous avez une toute petite perle maintenue, mais presque microscopique, maintenue par un petit fil. Et en fait, la technique est, c'est-à-dire au carré, c'est-à-dire qu'on fait un premier point pour maintenir un deuxième et un troisième. Et en fait, vous faites un carré et vous tournez, pas en rond, en fait, vous tournez pratiquement avec un petit carré. Et en fait, on a l'impression même que ça ne tient à rien, mais vous avez une toute petite chaînette qui est à l'arrière et qui est pratiquement microscopique. Les dessins sont juste extraordinaires et d'une légèreté. C'est très moderne. C'est très moderne, exactement. C'est magnifique. Ce savoir-faire précieux est encore transmis aujourd'hui dans les ateliers Le Sage. Racheté par la maison Chanel en 2002, les ateliers Le Sage continuent à travailler pour de nombreux stylistes de haute couture. Sur ces grandes tables, une longue robe de mousseline peinte pour la maison Valentino, autour de laquelle s'affairent pas moins d'une dizaine de brodeuses. À quelques jours des défilés, les broderies sont presque terminées. Là on a les paillettes, donc elles sont plates. On a la soie, on a la chenille, on a du ruban aussi, pour poser le ruban. C'est vraiment une technique bien particulière. Il est maintenu de chaque côté avec un petit point. Donc la difficulté, c'est de pouvoir le tourner. On le tourne dans un sens, dans un autre, pour suivre la forme et puis lui donner du relief. La difficulté, c'est que déjà le tissu, c'est un tissu qui est quand même très fragile. Donc il faut que la tension ne soit pas trop forte. Il faut faire attention de ne pas érailler le tissu ou de tirer les fils. Après, on est plusieurs à travailler dessus. Donc déjà, il faut qu'on travaille à peu près toutes pareilles. Près de 800 heures passées déjà sur cette broderie. Et pourtant, la robe semble encore inachevée. Une demande spécifique de Maria Grazia, alors styliste chez Valentino. Le couturier a choisi une vieille archive qu'il avait. Et donc, comme elle est très ancienne, donc il y a des parties qui sont déchirées. Il y a des parties où la broderie elle est un petit peu partie. Donc ça fait comme si ça faisait des vides. Donc on a voulu reproduire la même chose avec la nouvelle robe. Et donc dans ces parties ici, là, que l'on voit ici, donc nous on a juste fait pour l'instant le contour. Mais ensuite ça va être déchiré à l'intérieur pour donner justement aussi cet effet usé. Voici la robe, 5 jours plus tard, au défilé Valentino.
Reproduire cet effet nostalgique d'une robe surannée, usée par le temps, déchirée, seule la haute couture peut se le permettre. Marie, les galons de la robe Scar 21, je ne sais plus quoi, ils sont prêts, c'est fini. Retour chez le sage, Hubert Barrère est responsable des nombreuses broderies réalisées pour chaque collection de la maison Chanel. Elle va être super contente, Madame Josette. La haute couture, c'est comme une sorte de laboratoire d'idées. Donc on va le plus loin possible dans la création et dans la technique. Heureusement d'ailleurs. Aujourd'hui, métiers d'art et haute couture sont intimement liés. Difficile de faire perdurer l'un sans l'autre. Monsieur Le Sage disait qu'un défilé de haute couture sans broderie, ce serait comme un 14 juillet qui n'aurait pas de feu d'artifice. Mais sans la haute couture, la broderie ne pourrait pas avoir ses lettres de noblesse, en revanche. Ce serait beaucoup moins facile et légitime de faire perdurer le savoir-faire de la broderie, je pense. Oui. Devenir une brodeuse d'exception dans cet atelier prestigieux, c'était le rêve de Caroline. Brodeuse chez Le Sage depuis 4 ans, une reconversion réussie. J'étais responsable de secteur pour une marque de cosmétiques et au bout d'un moment, j'étais un petit peu fatiguée des tableaux de chiffres et des résultats de vente. J'avais envie de travailler avec mes mains, puis surtout, j'avais envie de construire quelque chose avec mes mains. Ce sont des galons qui vont aller sur une veste qu'on a déjà brodée et déjà envoyée chez Chanel. Donc là, en fait, ce sont des galons qu'on va rajouter sur les emmanchures et au niveau du col. Sur ce galon, on travaille exclusivement à l'aiguille. On a d'abord en fait utilisé 2 mèches de laine, de 13 brins chacun, qu'on a entrelacées et fixées avec des fleurettes et des toupies. Et ensuite, par-dessus, on vient rajouter ici les ponts de perles, faire l'habillage. Et voyez là, je me suis trompée. Je l'ai fait dans le mauvais sens. Donc je recommence. La broderie n'est pas un métier, c'est une passion. Il y a un supplément d'alpes qui est absolument obligatoire. Parce que la broderie, ce n'est pas juste 3 perles qui sont posées comme ça. C'est une broderie qui est faite avec le cœur et la main. Et je pense que quelqu'un qui regarde de près la broderie ressent cette émotion. La broderie, c'est de l'émotion, ouais. Et pendant que les brodeurs travaillent d'arrache-pied, dans les ateliers de couture des grandes maisons, les couturières s'activent elles aussi et coupent les toiles de tous les modèles. Nous sommes de retour rue Cambon, mais cette fois dans les ateliers de la Maison Chanel. Et c'est vraiment un privilège d'être ici et de vous rencontrer, ma chère Olivia. Comment dois-je vous appeler ? Madame Olivia, Mademoiselle Olivia ou Olivia tout court ? Si c'est moi à choisir, je préfère Mademoiselle Olivia, mais dans la haute couture, on dit Madame Olivia. C'est une tradition ? C'est une tradition. Il y a combien d'ateliers exactement dans la Maison Chanel ? Nous avons 4 ateliers haute couture, donc 2 ateliers tailleurs et 2 ateliers flous. Alors, combien d'étapes sont nécessaires entre le moment où Karl Lagerfeld vous donne son croquis, la réalisation de la robe, j'allais dire, de l'œuvre terminée ? Alors, déjà, il y a la réalisation du patronage. Donc, je prends le croquis de Karl, je l'analyse, je regarde comment il est fait, les lignes, les courbes. Je me plonge aussi dans le thème pour sentir aussi le vêtement. Et suite à ça, donc un premier essayage en toile. C'est ce qu'on a là derrière nous, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est la robe que nous avons préparée pour le premier essayage. D'accord. C'est du factice, on a fait tout en toile et c'est du dessin. Suite au premier essayage, nous lançons les vraies broderies et nous lançons dans le vrai tissu qui a été choisi au moment de l'essayage. D'accord. Alors là, par exemple, on a une toile, comme vous dites, et la robe définitive juste à côté ? Tout à fait. Vous avez l'exemple type de la toile et le modèle fini. Et vous travaillez vraiment en étroite collaboration avec tous les artisans d'art. Avec toutes les maisons d'art. On voit des choses absolument exceptionnelles à côté de vous. Donc c'est un travail très fin, très joli. Qu'est-ce qu'elle est belle cette broderie, c'est absolument magnifique. Magnifique. Hein. Magnifique. J'imagine qu'il faut des centaines d'heures de travail. Des centaines et des centaines d'heures, oui. On ne les compte plus d'ailleurs. J'imagine. Et puis il doit y avoir une grande confidentialité entre le brodeur et le styliste. Oui, tout à fait, jusqu'au bout du défilé. Mais de toute façon, les brodeurs ont l'habitude de ça. On travaille vraiment comme ça jusqu'au bout. Une grande confidentialité, une grande complicité entre le styliste et le brodeur, comme on va le voir. C'est très joli.
C'est très très joli, mais Muriel n'est pas là. Il faudrait charger un peu plus. Tu me connais en fait, non? Ouais. Non, c'est très très beau. Je pense que ça va être super joli. Avec la lumière, ça va être très très beau. Le jeune styliste Alexandre Vautier est venu suivre et corriger sur place, chez le sage, la broderie d'un de ses modèles phares de sa collection. C'est Muriel Lemoine qui est la coordinatrice entre le styliste et l'atelier. T'as le vert qui ressort parce que t'as moins de noir. L'idée, c'est si tu renforces ton noir, il faudrait renforcer un poil le vert. Et donc du coup, renforcer, comme le noir est plein là... Un soupçon. Et comme le noir là est vraiment presque en full, faut rajouter de l'olivine en fait. Okay. Cette broderie, c'est en fait comment rehausser un imprimé qui est universel et qui existe depuis des années et des années et des années et le transposer dans son côté excessivement luxe. Voilà, moi ce que j'adore c'est ça. Tu vois cette partie-là. Oui, les tâches, elles sont bien soutenues. Quoi. Voilà, exactement. Quand ça devient un peu mélangé et poussiéreux, tu vois, comme ça, anecdotique, tu vois, là, tu perds de ta force en vert. Alexandre Vautier travaille exclusivement avec Jean-Marie, le seul homme brodeur chez Le Sage. Jean-Marie, je le connais depuis, on va dire, quelques années. Non, voilà, fallait pas le dire, mais bon, 20 ans. On a un vocabulaire en commun qui fait que lorsque je commence à travailler mes broderies sur la couture, il est toujours là, parce qu'il comprend, et Muriel aussi, parce que ça fait 20 ans que je la connais aussi, ils comprennent très vite ce que je veux, et j'ai une espèce de complicité professionnelle qui se fait, et on essaye chaque saison de faire des choses un peu différentes, de se renouveler, et trouver de nouvelles technicités, de nouveaux mélanges, pour justement... être assez surprenant par le biais de ce métier d'art. Muriel, tu me livres demain. Non. Quelquefois, cette complicité devient si intime que l'artisan d'art est capable d'interpréter à la perfection l'idée du styliste. Une symbiose qui est souvent à l'origine de nombreux chefs-d'œuvre. Ce fut le cas entre François Le Sage et Yves Saint-Laurent. Cet échantillon que je vais vous montrer nous a tenu pendant des heures, puisque je pense de mémoire que la veste, je pense qu'il y avait 1000 heures de travail, et tout le monde a travaillé, toutes les brodeuses, toute la maison travaillait sur les raisins que vous avez ici. Ce sont des toutes petites boules avec des je pense qu'il y a 50 coloris de fournitures différentes. Et cette collaboration avec M. Saint-Laurent, en fait, est parti de rien, en fait, juste d'un mot. Ce mot, Bonnard, le peintre. Cet échantillon appartient à la collection Hommage au grand peintre. Elle est aujourd'hui précieusement conservée dans les réserves de la Fondation Yves Saint-Laurent à Paris, que nous ouvre sa responsable, Sandrine Teinturier. Dans ses armoires, plus de 5000 vêtements d'exception, 40 ans de haute couture de la maison Yves Saint-Laurent, dont cette fameuse collection de 1988. Ici, nous avons deux pièces remarquables qui sont deux hommages à Van Gogh. Qui reprennent les tableaux des iris et des tournesols et qui ont été réalisés par Le Sage. Donc, c'est des pièces remarquables parce qu'elles ont nécessité chacune autour de 700 heures de broderie avec une technique qui est assez propre à Le Sage, qui utilise des matériaux assez commun pour les brodeurs, des paillettes, des perles de rocaille, mais qui en plus inclut, comme vous le voyez, des rubans et avec des effets de mat brillant qui donnent l'effet de coups de pinceau qui ressemblent vraiment à de la peinture. Il y a une autre veste exceptionnelle qui fait partie de la collection Hommage et qui est un hommage d'Yves Saint-Laurent à la maison de couture. Et il a demandé à Le Sage, comme on aurait demandé une robe couleur de thon, de réfléchir à une broderie qui arriverait à traduire la lumière qui passe à travers le lustre des grands salons, des salons de couture.
Yves Saint-Laurent, styliste surdoué et visionnaire, se retrouve à la tête de la maison Dior à seulement 21 ans. 4 ans plus tard, il n'a que 25 ans quand il crée en 1961 avec Pierre Berger sa propre maison de couture. Très vite, il bouleverse les codes de la mode et ceux de la société. Il a donné le pouvoir aux femmes au travers d'une garde-robe qui est un transfuge de la garde-robe masculine. Alors vous avez le tailleur pantalon bien évidemment, le smoking bien sûr, mais aussi la saharienne, le jumpsuit, le caban, la marinière. Il a pris pratiquement tous les éléments du vestiaire masculin et il a donné aux femmes le pouvoir de les porter. Il a fait rentrer le pantalon dans les bureaux finalement. Lorsque dans les années 70, les riches clientes délaissent les maisons de haute couture pour le prêt-à-porter de luxe, les métiers d'art et la transmission de leur savoir-faire sont alors en danger. Jusqu'à ce que Yves Saint-Laurent, en 1976, relance les industries du luxe en général, c'est-à-dire tous les métiers d'art et la haute couture en particulier, avec une collection qui s'appelle Opéra Ballet Russe, qui est d'une opulence extraordinaire, qui emploie des tissus du brocart, des tissus d'or, de la soie à nouveau à profusion, des fourrures, des broderies. Et ça relance tout à coup l'intérêt pour cette profession. Ça montre qu'elle peut être d'avant-garde, ça montre qu'elle peut être à la pointe du désir et qu'elle peut relancer le désir des femmes. Dès lors, Yves Saint-Laurent s'entoure des plus grands artisans d'art parisien et avant de quitter le monde de la haute couture en 2002, crée avec eux des pièces extraordinaires. Il s'agit du manteau lion, qui est un manteau de l'hiver 90. C'est des plumes de faisan, des plumes de vautour. La demande d'Yves Saint-Laurent adressée à Le Marié était « Je voudrais un manteau de plumes qui ressemble à un lion. » 3000 plumes teintes et cousues une à une à la main sur un organza très léger. Une pièce exceptionnelle. Elle est exceptionnelle parce qu'elle est, elle est spectaculaire. Et c'est un manteau qu'on aime beaucoup, qui est très très fragile, donc assez peu exposé. Les bêtes adorent les plumes. Donc c'est quelque chose qu'on surveille particulièrement. On a dans nos réserves, les plumes sont dans un endroit particulier qu'on surveille plus que les autres choses. Ce manteau a été réalisé par la maison Le Marié, le plus grand plumassier au monde, incontournable pour la haute couture depuis le 19e siècle. La maison nous a ouvert ses coulisses. Voilà, donc là on va rentrer dans la réserve de plumes si vous voulez bien. Hein, entrez. Alors là, vous voyez, toutes les plumes sont répertoriées, toutes rangées dans des boîtes identifiées. Et là, par exemple, nous avons mis de côté toutes les plumes que nous venons de teindre et que nous allons utiliser pour le modèle de la haute couture. Un tailleur Chanel de la nouvelle collection automne-hiver que la maison Le Marié est en train de réaliser. Alors, elles sont en sachet. On a un camailleux de couleurs qui sont représentées, vous voyez. Elles sont donc... Vous avez toutes les couleurs utilisées sur le modèle. Alors, en plus ou moins grande quantité, suivant le dosage que l'on veut donner. Et là, en fait, elles sont naturelles. Donc, en fait, c'est ces plumes-là qui ont été teintes et utilisées. C'est de l'oie, la nageoire d'oie. Une plume élégante et souple qui se trouve sur les flancs de l'animal. C'est une plume qui se teint bien et qui se prêtait bien à cette fleur. On n'allait pas utiliser de l'autruche, vous voyez, pour faire un aplat de plumes comme ça. Les plumes d'autruche, la maison les destine plutôt à l'une des pièces emblématiques de la prochaine collection haute couture Chanel, la robe de mariée. Un travail sur un grand col où on vient mélanger en fait de l'autruche, du brin d'autruche brûlé et des fouets de coq. Là, c'est le brin entier et là, c'est le brin qui a été travaillé en fait. Je vais vous montrer aussi le fouet de coq poudré, donc dans les mêmes tons, qui est très aérien, très joli, et qui donne, parsemé dans les brins d'autruche, va donner un petit supplément dans le modèle. Voilà. Bien sûr, nous avons des plumes que nous regrettons de ne pas pouvoir utiliser.
L'aigrette, l'oiseau de paradis, qui sont des plumes tout simplement magnifiques. L'aigrette, on n'en trouve plus. Ça, c'est un stock très précieux que nous avons parce que c'est un animal complètement protégé. On ne peut pas en acheter, on ne peut pas en vendre. Mais bon, quand vous avez, vous voyez, c'est tout simplement magnifique, quoi. On a aussi des oiseaux de paradis qu'on conserve dans une très, très vieille boîte. Mais quand vous voyez le dégradé de couleur et la légèreté de ces plumes avec ces beiges, ce marron, ce jaune tellement délicat, très, très pâle, je ne pense pas, même avec les meilleurs teinturiers, qu'on pourrait arriver à cette subtilité de ton. Ça fait partie du patrimoine de la maison et on les conserve et on prend énormément soin d'elles. Un stock précieux, acquis avant les mesures prises pour sauvegarder ces oiseaux. À l'étage, au-dessus, dans les ateliers, les plumassières travaillent pour toutes les maisons de haute couture qui réclament leur savoir-faire unique. Ce jour-là, elles s'activent autour d'un tailleur Chanel. Nous y retrouvons les nageoires d'oie teintes utilisées en aplat, une technique mise au point ici. Le vrai plus de la maison Le Marié, c'est qu'ici, toutes les personnes qui travaillent dans cet atelier travaillent toutes les techniques. Donc, on peut faire un travail de plume classique, de pincée, de truche fixée sur une base, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle, nous, une marqueterie de plumes. C'est-à-dire que là, ce n'est pas de la broderie, ce n'est pas du fil, c'est des plumes qui sont découpées morceau par morceau, plume par plume, pour reconstituer un dessin. Donc là, on a un travail uniquement de plumes. Généralement, le duvet, ici, on l'enlève, on ne l'utilise jamais. Et après, on va utiliser les barbes. Vous avez la côte centrale, l'arête. Ensuite, vous avez les barbes qui partent de chaque côté. Donc là, pour la marqueterie, j'ai encollé ma partie. Et après, je récupère mes barbes. Et après, je vais le découper à la forme que je veux. Donc là, on ne l'utilise pas en tant que plume pour sa forme, mais pour sa matière. La plume aussi, il y a une vraie brillance suivant la manière dont on la regarde. Ça prend la lumière de manière très différente. Ça chatoie, ça intrigue. Il y a peut-être ce côté intriguant qui est un petit peu différent. Et puis nous, là, sur cet échantillon, eh bien, on l'a encore plus éclairé avec certains strass, certaines perles qui viennent apporter un peu plus de brillance encore au modèle. Et puis il y a un volume. Le volume est donné par les plumes, je pense. 4 jours plus tard, le modèle était terminé et défilait avec toute la collection. Le savoir-faire des ateliers parisiens, c'est aussi savoir respecter des délais très courts. Un peu à l'écart, nous retrouvons les plumes roses poudrées destinées au col de la robe de mariée, sur lequel Valentin, fraîchement devenu plumassier, travaille depuis 5 jours. Cet élément va venir recouvrir la manche, plus la partie encolure et l'autre manche. Pour éviter d'avoir un raccord, on l'a fait en une fois, pour quelque chose d'un peu plus uniforme. Ce col doit être livré le soir même. Il a nécessité plus de 2500 plumes et plus de 100 heures de travail. La technique est classique, il s'agit de pincer les plumes et de les fixer sur une base de tulle et de dentelle. On les assemble sur un petit laiton qui devient piqué, et ensuite tous ces piquets, donc ici on a à peu près 300 je crois, on vient les assembler, ce qui permet d'avoir l'élément entier. Donc là c'est en cours d'assemblage. Plus d'un siècle que la maison Chanel collabore étroitement avec ce plumassier de légende, à tel point qu'en 1996, pour sauvegarder ce trésor de savoir-faire et ce patrimoine, les ateliers Le Marié ont été rachetés par la maison de haute couture, la plus ancienne et la plus mythique au monde. Aujourd'hui, c'est dans cet écrin high-tech que la maison Chanel conserve son patrimoine. C'est la première fois que la maison ouvre à une caméra les portes de son sanctuaire où tous les modèles de Mademoiselle Chanel sont sauvegardés. Un trésor inestimable. Il m'a semblé un tout petit peu haut. Comme vous pouvez remarquer, les modèles les plus fragiles sont conservés à plat. Ce sont tous les modèles qui ne supportent pas la suspension. Donc on les préserve de cette façon à plat.
Alors, on a environ 6000 modèles. Quand je dis modèles, ce sont des modèles complets. Donc en termes de pièces, ça fait évidemment beaucoup plus. Mais on a à peu près, oui, entre 6000 et 6500 looks à peu près. Je compte à la fois Gabriel Chanel et Karl Lagerfeld, bien sûr. On a énormément de trésors. On a même un tailleur qui a appartenu à Gabriel Chanel, d'ailleurs. Là, voilà, ça semble une toute petite chose comme ça. Là, on est dans la relique, hein, n'est-ce pas ? Chanel a apporté énormément à la mode. D'abord, elle a été une égérie. Elle a été une femme libre, donc elle s'est comportée comme une femme libre. Sa liberté, elle la doit à son travail. Et elle s'est portée comme modèle pour les autres femmes. Sa mode est exempte de préjugés. Elle va porter la première des pyjamas de plage, des pantalons. C'est extrêmement novateur. Gabrielle Chanel est issue d'un milieu des plus modestes. Elle a une formation de couturière et à 26 ans, en 1909, simple modiste, elle arrive à Paris pour créer des chapeaux qui plaisent à la bonne société. Un an plus tard, aidée financièrement par un riche amant, elle installe son atelier puis son appartement rue Cambon pour créer des vêtements. On a installé ici une petite blouse qui n'a l'air de rien, mais c'est notre Joconde. C'est une blouse qui a 100 ans, elle date de 1916 et c'est la pièce la plus ancienne connue de Gabriel Chanel à ce jour. Elle présente évidemment la particularité d'être en jersey, ce jersey de soie qu'elle a emprunté à la garde-robe masculine. Le jersey, auparavant, on en faisait des sous-vêtements. Et Chanel s'est permis, à oser le voler aux hommes, le détourner pour en faire des blouses confortables pour elle et pour ses clientes. Les vêtements de jersey existaient déjà pour les femmes. Ils étaient spécifiques pour le sport et il y en avait plein les rayons des grands magasins. C'était des vêtements qui permettaient la plus grande mobilité. Ça, Chanel l'avait parfaitement compris. Et elle va utiliser cette matière-là. Elle va s'inspirer du style marin qui est celui des pêcheurs de la côte normande. Elle va faire un mix de ça et elle va être en plein dans le mille puisque les femmes à ce moment-là ont besoin de vêtements qui auront raccourci, qui seront un peu éloignés du corps, qui sont souples, qui auront des poches, qui auront des boutons. Ça, c'est une nouveauté aussi dans le vestiaire féminin. Et elle va obtenir un immense succès avec ça. Elle va être la première, si vous voulez, à formaliser ce vêtement, à le griffer, à lui donner un caractère luxe. Alors, un autre emprunt à la garde-robe masculine que Gabrielle Chanel va faire, c'est le tweed. Ce qu'elle aime, c'est le côté très irrégulier de ce fil, et ce qui ne se faisait pas du tout en France à l'époque. On voit que ce tweed, qui semble très simple au premier abord, en fait, si on le regarde de plus près, est un tweed finalement assez sophistiqué. Voilà, on retrouve même un jeu presque de carreaux dans ce tweed. Le tissage est extrêmement complexe. On a un autre exemple de tweed. Celui-ci date de 1963. C'est même probablement l'archétype presque du tailleur Chanel, tel qu'il est gravé dans l'imaginaire collectif. C'est un tailleur avec une ganse ici extrêmement graphique. Ce détail de poche, voilà, un graphisme très très épuré. Et en même temps, c'est un vêtement extrêmement confortable. Ce tailleur est conçu pour une femme qui bouge. Chanel a contribué toute sa vie à éviter que la femme ne soit entravée par le vêtement. Et la conception du tailleur, la conception même qu'elle avait de la mode en général, était de la libérer des carcans, qu'ils soient psychologiques ou qu'ils soient physiques. Voilà, donc elle s'est ingéniée par tous les moyens à libérer la femme. Depuis son arrivée chez Chanel en 1983, Karl Lagerfeld est resté fidèle à la grand-mère de la maison. Le lien ici avec ce modèle se passe presque de commentaires. C'est un tailleur qui date de la collection haute couture automne-hiver 2011. Et on voit effectivement ici une réinterprétation de Karl Lagerfeld, vraiment avec cette même idée de ganse. Le graphisme est exactement le même, mais avec évidemment une forme beaucoup plus moderne.
Les créations les plus emblématiques et prestigieuses de Karl Lagerfeld rendent souvent hommage à Mademoiselle Chanel. Elles sont elles aussi conservées dans cet écrin de technologie. Il en est une ici. Cette robe en fait, est en deux parties, un body en partie haute et cette jupe couverte de camélias en partie basse. Et si vous remarquez bien, vous allez voir que les camélias sont de taille croissante, c'est-à-dire qu'ils sont fermés en boutons tout en haut et au fur et à mesure s'ouvrent et sont de plus en plus larges. Et cette robe est couverte de 2500 camélias. Or, le camélia, c'était la fleur fétiche de Gabrielle Chanel. Ce sont les ateliers Le Marié qui ont réalisé cette robe. Plus de 700 heures de travail. Le plumassier est aussi un fleuriste hors pair et grâce à ses deux savoir-faire, le styliste de Chanel a pu concevoir des pièces exceptionnelles. Cette robe est exceptionnelle parce qu'elle allie les deux savoir-faire de la maison Le Marié, à savoir le travail des fleurs, des camélias et puis tous ces rinceaux ici qui sont des rinceaux en plume. Donc on a cette double technique que l'on retrouve ici sur cette robe. Aujourd'hui, comme il y a plus d'un siècle, chez Le Marié, la fabrication des fleurs suit un savoir-faire ancien et artisanal. Première étape avec Mathieu, l'apprêteur de tissus. C'est tout simplement de la soie, la doublure en fait de veste. On dit, on fait crier la matière. Une fois bien étiré, le tissu est alors enduit d'un apprêt à base de gélatine alimentaire. L'apprêt est bien chaud. Moi, quand j'ai appris à faire les apprêts, on m'a dit, tant que tu ne brûles pas, c'est que c'est pas assez chaud. Et voilà, après 2 heures exactement, on retrouve un produit prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi et rigide. Des pétales y sont alors découpés au millimètre près. Grâce à ces moules en porte-pièces très anciens, certains ont plus d'un siècle. Reste alors à les bouler. Il faut que ça soit légèrement humide, oui. Plus pratique pour gaufrer, pour que ça prenne la forme. Donc ça, c'est les moyens, qui est le deuxième rang autour du cœur. Ça tient avec un fil, on monte avec un fil et un peu de colle. Et on assemble. 20 minutes suffisent à une fleuriste expérimentée pour bouler et monter une fleur de camélia en soie. Dans l'atelier d'à côté, une dizaine de fleuristes très concentrés finissent d'assembler des centaines de pétales sur une robe Chanel prévue pour défiler dans 3 jours. Donc là, vous voyez un modèle qui normalement devrait être livré demain. On est en phase terminale et on espère bien être le finaliser comme il se doit. On a travaillé des matières classiques comme la soie, comme la dentelle, comme le lamé, qui est un tissu qui scintille, mais aussi des matières beaucoup plus modernes, des rhodoïdes, des matières plastiques qui donnent un effet beaucoup plus moderne peut-être au modèle. Donc là, elles sont en train de toutes coudre les fleurs une à une pour demain. Voilà, sachant qu'on n'a, comme toujours, pas eu énormément de temps pour faire l'ensemble du modèle. Une fois terminées, broderies et fleurs sont livrées dans les ateliers de couture où pour les couturières commence la course contre la montre. Nous sommes toujours dans les ateliers de la maison Chanel et cette fois-ci en compagnie de Madame Cécile. Oh, Cécile, vous permettez que je vous appelle tout simplement Cécile. Tout simplement Cécile, je préfère. Combien de robes vous réalisez lors d'une collection haute couture ? Alors, au sein de l'atelier, nous réalisons en général une vingtaine de modèles, une vingtaine de passages. Pour combien de robes dans une collection ? Cette année, on a fait 71 passages. Ouais. Voilà. Vous êtes surprise toujours. À chaque fois par toujours, les nouvelles créations ? Toujours. À chaque fois, on est surprise parce que ce sont des matières différentes, parce que ce sont des recherches différentes.
Je vous dis, c'est toujours pareil, c'est jamais pareil. C'est ça qui est formidable dans ce métier. Là, on mélange du tweed, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, avec des broderies. Moi, je trouve ça d'une modernité incroyable. Modernité, mais vraiment... En plus, c'est un trois pièces. C'est, vous avez la robe, la petite robe bustier. Mm-hmm. Vous avez là-bas le petit top et le pantalon. Donc, c'est l'assemblage des trois. Et vous pouvez tout dissocier. Mm-hmm. Je trouve ça génial comme idée. Qu'est-ce qui est le plus difficile à faire dans une robe, à réaliser ? Tout. Tout est difficile. Tout demande beaucoup d'investissement. Oui, tout à fait. Tout demande de l'investissement, du départ de la toile jusqu'à la réalisation. Alors j'imagine que ça doit être une course contre le temps, non ? Avant le jour J du défilé. Pas du tout. Si, si, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a la date butoir qui est là. Et c'est un peu comme une préparation de spectacle, en fait. Il y a un stress qui monte et... comme avant un spectacle, mais c'est un bon stress. Le temps est vraiment la clé de tout, que ce soit ici dans vos ateliers ou dans les ateliers des autres grandes maisons, comme chez Christian Dior. Nous avons eu la chance d'aller dans l'atelier tailleur 2 jours avant un défilé. Alors croyez-moi, la pression monte et vous allez voir sous vos yeux la réalisation d'un tailleur pantalon brodé avec de magnifiques broderies de la maison Vermont. Chez Dior, nous retrouvons Nadège, la seconde de l'atelier tailleur. Elle est en train de se battre avec des manches du tailleur dont les broderies ont été réalisées par la maison Vermont. Comme la manche, elle est étroite, il faut que je rentre tout à l'intérieur pour pouvoir retourner. Alors, j'ai déjà du mal à passer la main. Ensuite, il faut que j'attrape mon bas de manche. Il faut que j'attrape le plastique en même temps. Et le plastique protège, évitera aux broderies de stripper entre elles à l'intérieur. Il n'y a pas d'autre moyen pour aller piquer à la machine que de retourner la manche. Voilà. Voilà, je vais aller piquer à la machine maintenant. Pour le moment, la manche est cousue par ce que l'on appelle des points de bâti. Des points provisoires que Nadège remplace par une couture délicate et définitive. Il faut tout son savoir-faire pour y arriver. Pour que les fils de la broderie s'accrochent. Ça ne facilite pas le travail. C'est sûr que quand les choses sont brodées, on met plus de temps en général pour travailler. Donc voilà. Mais bon, le rendu est tellement plus joli aussi. Délicat parce que j'ai les broderies des deux côtés. Donc faut pas que je les abîme en repassant, mais on ouvre les coutures, on met en forme la manche et comme ça on peut la finir après. Dans les ateliers de haute couture, les savoir-faire comme les traditions ont traversé les siècles. C'est vrai qu'on est un peu superstitieux dans le métier. Quand on renverse une boîte d'épingles, si elle est complètement retournée et complètement vide d'épingles, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de travail. Donc il faut qu'on jette des épingles par-dessus son épaule 3 fois de suite pour conjurer le sort. Quand on a un nœud au centimètre, ça veut dire aussi beaucoup, beaucoup de travail. Donc il faut défaire le nœud avec une seule main. Enfin, c'est des choses... c'est rigolo. En général, les jeunes filles, quand il y a une robe de mariée de fête, celles qui veulent se marier ou trouver un chéri, elles mettent un cheveu dans la robe de mariée de la cliente. Mais il ne faut pas le dire. Angélique, ça t'est arrivé de mettre un cheveu, toi, dans une robe de mariée ? Oui, quand j'étais apprentie, j'ai mis un cheveu et je suis mariée. Alors, je ne sais pas si ça a vraiment marché ou si c'est le destin. Mais je pense qu'on l'a toutes fait. Donc là, regarde, on se raccorde ici. On se raccorde aussi, vraiment ? Ouais, regarde. Là, c'est bien. Je suis bien sur mes crans. On va regarder derrière. Sur la toile, la blouse du tailleur commence par magie à prendre forme. Reste maintenant à coudre tous les éléments entre eux. Voilà. Bah écoute, tout est bien aligné apparemment.
ces couturières, fleurons de la haute couture française, sont les héritières des petites mains qui ont fait de Paris, à la fin du 19e siècle, la capitale de l'élégance. Les maisons, les collections et même les défilés, l'organisation de la haute couture telle que nous la connaissons aujourd'hui est née à cette époque-là. Au Second Empire, du monde entier, les plus riches se précipitaient dans la ville lumière pour s'amuser, sortir, se montrer et acheter leur nouvelle garde-robe. Car les modistes parisiennes sont réputées les meilleures couturières au monde. Mais les délais sont très longs et les artisans débordés. Alors un Anglais installé à Paris et homme d'affaires avisé, un certain Frederick Worth, profite de l'opportunité. Il a l'idée de faire des collections, c'est-à-dire des prototypes qu'il va présenter à la clientèle sous la forme de défilés. Chaque femme va pouvoir avoir la robe de son choix dans les plus brefs délais. La clientèle lui est acquise puisqu'il est ami de la princesse de Metternich qui va l'introduire à la cour. Et à partir de là, il va régenter le monde de la mode et c'est un homme qui prend le pouvoir sur la mode. Ces modèles vont être vendus de manière extrêmement rapide et à des prix exorbitants. Il va se considérer comme un artiste, donc il va signer ses robes, il va apposer une griffe. Et voilà, c'est la haute couture est née. Chez Dior, à la veille du jour J, le stress est monté d'un cran. Pour le studio, l'équipe des stylistes, c'est l'heure des fittings. Une répétition générale des passages avec tous les mannequins. La tension est palpable. Dans un chuchotement ou un regard, un vêtement peut être refusé ou modifié. Un mannequin remercié. C'est aussi le moment où les stylistes accessoirisent la silhouette. Car de la tête aux pieds, chaque détail compte. Même les chaussures doivent être à la hauteur du vêtement magnifié par le mannequin. Entre la maison Massaro et la haute couture, c'est déjà une longue histoire. Depuis 1894, le bottier parisien a travaillé pour les plus grands, Schiaparelli, mais surtout Chanel. En 1957, le bottier crée les fameuses chaussures bicolores beige et noir pour Gabrielle Chanel. Un succès planétaire phénoménal. Ici, ce n'est que du fait main, du sur-mesure de grand luxe. Cette année encore, pour ses collections, Karl Lagerfeld est resté fidèle à cet atelier pour son savoir-faire et sa capacité d'adaptation. Karl Lagerfeld a demandé une cuissarde. D'ailleurs, nous avons ici son dessin. Vous voyez qu'on a exprimé le talon qui n'est pas très haut. Et ensuite, on a le bout du pied qui est donc de forme carrée et un carré très marqué. Ici, on a le premier prototype qui a été donc soumis à Karl Lagerfeld. On voit ici le bout carré, qui est un bout carré très fin, et on voit la hauteur de la cuissarde. Mais la plus grosse difficulté a été la mise en place du plissé. Le premier proto de plissé que l'on a, c'est celui-ci. On l'a fait sur une base basse. Alors là, ça a été négatif, puisque le plissé est trop mécanique. La volonté de Karl Lagerfeld, c'est d'avoir un drapé, quelque chose de flottant et de naturel. Ensuite, on tombe sur un autre essayage. Bon, là, c'est un petit peu décollé, mais enfin, je vous montre à peu près ce que ça peut donner. Donc là, on retrouve le bout de la forme, le bout du pied. Et ici, vous avez un drapé qui ici tombe naturellement, pas égal, un peu comme il vient. Et là, on a fixé une idée qui est parfaite. Il aura donc fallu 3 essayages pour enfin répondre aux exigences du styliste. Notre compétence, c'est de s'adapter à la demande et parfois d'aller dans des terrains que l'on ne connaît pas et d'arriver à le concrétiser et à en faire quelque chose qu'on puisse reproduire dans des temps très limités. Et là, c'est là qu'intervient le savoir-faire de Jacques, puisque une fois que je lui donne le « là », ensuite, il avance, il trouve des solutions.
Et ici, la solution pour maintenir le drapé avant de coudre, c'est cet ouvrier chevronné qui l'a trouvé. Une astuce toute simple, encore fallait-il y penser. Il a trouvé ce système, donc fixé à l'aide d'un scotch de centre et sans pour autant être obligé de le fixer définitivement. C'est succinct, mais ça lui a permis de produire ce drapé qui était voulu pour la collection. Une fois la cuissarde cousue, le drapé est définitivement maintenu. Reste à enlever avec précaution le ruban adhésif pour éviter d'abîmer la peau rose poudrée. C'est alors au bottier-monteur de prendre le relais. Et en fait, moi, je passe ça sur la forme. Tous les éléments de la chaussure sont fabriqués à la main ici. Mais le travail à la main permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec des machines. La finesse, les dessins de semelles de chaussures. La machine, elle permet pas tout, quoi. J'ai l'impression de faire un métier d'art. Quelque part, on est quand même... Des fois, on est des créateurs de rêves parce qu'il y a des gens qui arrivent avec des projets fous et on arrive à leur donner satisfaction. Ces cuissardes d'exception destinées à la robe de mariée de la collection Chanel sont prêtes à être livrées rue Cambon. Et justement, rue Cambon, chez Chanel, à 3 jours du défilé, la fabrication de la collection automne-hiver touche à sa fin. Sauf peut-être pour Madame Josette, première de l'atelier tailleur, qui commence à s'inquiéter pour la robe de mariée que Karl Lagerfeld veut voir le soir même. Ça, c'est fini. Donc ce soir, Karl aura au moins le pantalon avec le bustier monté. Et on va faire nos effets avec la toile, puisqu'on n'a pas, le reste de la robe. Donc on va faire l'effet avec ça. Ça, c'est la veste avec la traîne, qui sera rebrodée de plumes, tout en dentelle aussi. Et on a le... beaucoup pété. Ouais, on a le col de plume qui sera remis là. Voilà. Comme ça, normalement. Alors là, je vous le mets comme ça. Juste comme ça. Voilà. Jusqu'en bas des manches. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire là? Presque tout. Pas encore de manteau, ni de traîne, mais le bustier, lui, vient d'arriver. Elles vont enfin pouvoir le monter. Mais là, elle bâtit et on va pouvoir se remettre au mannequin, voir si j'ai bien la bonne image, comme sur le croquis que Karl veut, pour le cintrage, voir si le fait d'avoir été molletonné, ça n'a pas perdu en largeur, voir s'il ne faut pas qu'on redonne. Et après, de toute manière, il faudra que ce soit piqué pour ce soir. Voilà. Avant de piquer, c'est-à-dire coudre définitivement le bustier, mieux vaut s'assurer que tout va bien sur le mannequin. Ce petit bustier intérieur sert de fondation pour tenir l'autre qui est dessus. La couture, c'est un peu de l'architecture. Quand vous n'avez pas de fondation, les maisons ne tiennent pas. Là, c'est pareil. Quand il n'y a pas de bustier, la robe ne tient pas. Enfin, pour l'instant, on va se regarder comme ça. Le mannequin, il est un peu faible, hein, je pense. La fille, elle est un petit peu plus forte. Non, ça va, ça se met bien. Il n'y a pas de souci. On va falloir dégarnir un petit peu dans les coutures pour pas que ça fasse trop épais, parce que sinon, ça va pas être très fin, mais ça va. Je vais regarder dans la glace pour le cintrage, si on est... Parce qu'en fait, Karl voulait que ce soit... Il faut que ce soit cintré, mais pas trop. Il faut qu'on ait le bon galbe là où il faut. Non, ça va être joli. Les plumes. En fait, là, c'est ça. Là, c'est pas brodé du tout. Et là, il n'y avait pas de ouatine. Ça sera tout comme ça. Là, c'est avant, après. La robe sera prête à temps.
Elle aura nécessité plus de 1200 heures de travail et plus de 12 500 plumes. Chez Schiaparelli, place Vendôme, c'est aussi la course contre la montre. Le styliste Bertrand Guyon est en plein essayage. C'est la troisième collection qu'il crée pour la maison. Voilà, comme ça. Cette fois, il a réinterprété la collection phare d'Elsa Schiaparelli, la collection Cirque. Les couleurs sont magnifiques. 80 ans après, les techniques sauvegardées et les savoir-faire exceptionnels permettent aux stylistes de rester fidèles à la grammaire de la maison Schiaparelli tout en la réinventant. Par exemple, cette robe, qui est une robe brodée, pardon, je vais juste vous ennuyer un tout petit peu, d'animaux. C'est très 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 beau. Là, vous avez l'éléphant qui est sur sa balle, le zèbre, les petits papillons. Ça aussi, c'est très Schiaparelli, les papillons. Toujours la petite touche de constellation. Il y a aussi, là, on voit des petits singes. Ça, c'est une broderie tout à fait sublime. Aucun de ces éléments n'appartient aux archives de Le Sage. Ce sont des dessins que nous réalisons ici, dans l'esprit, en évoquant et en restant fidèle à l'esprit de la maison, mais je ne voulais pas que ce soit copié. Dans cette collection, le styliste, grâce à la maison Le Sage, s'est même permis de réinterpréter la fameuse cape Phébus. Ce n'est pas du tout le même échantillon, ça c'est un travail très contemporain, qui a un côté un peu aussi ostensoir et un côté christique dans cette veste, j'aime beaucoup. Pour cette collection Cirque, là, j'avais envie d'ajouter une petite touche de cubisme comme ça. C'est pas non plus une citation à Picasso, mais je trouvais que c'était assez beau d'avoir des bustiers graphiques comme ça avec des patchs de matière qui évoquent un Picasso en reprenant le shocking de Schiaparelli évidemment et puis certains éléments de ce qui constitue la robe en son entier. Bon là évidemment elle est protégée parce que c'est très fragile mais... et ça c'est justement la jupe qui ira avec le petit bustier. C'est un travail assez incroyable. Ce sont des petites franges de cellophane qui sont cousues sur une base de tulle. Là, on le voit. Chaque bande a sa couleur et est cousue sur un tulle pour former cette espèce de rainbow. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que dans les archives de la maison, j'ai retrouvé ce modèle qui doit dater de 35-36. On voit une robe qui était enlamée et qui reprend cette même idée d'arc-en-ciel. C'est je dirais, une coïncidence parce que là, pour le coup, très, très honnêtement, je ne l'avais pas vu avant. Mais là, on est complètement dans l'univers de Schiaparelli. Nous sommes de retour dans les ateliers de la Maison Chanel en compagnie de Madame Cécile. Alors Cécile, vous me le disiez tout à l'heure, ça fait 14 ans que vous travaillez dans cette prestigieuse maison. Comment êtes-vous devenue première d'atelier ? Il faut apprendre le métier très jeune. On démarre, on est apprenti. C'est tout un système de... C'est un peu comme du compagnonnage en fait. L'apprenti, elle est associée avec une couturière qui lui apprend le métier. De jour en jour, de mois en mois, d'année en année, comme ça on gravit les échelons. Et après, on passe seconde d'atelier et parfois, il y a une place qui se libère et on est choisi comme première d'atelier. Et il faut se lancer aussi. Ouais. Et voilà, là, c'est la consécration.
Un peu, oui. Un peu, oui. Quelles sont les qualités requises pour entrer dans une grande maison comme la vôtre? La patience, ouais. La passion. Cette passion qui vous l'a transmise, vous? Ma mère. Ouais. Elle était couturière, elle aussi? Elle était couturière aussi, oui. Et quand on posait la question, quand j'étais plus jeune, tu veux faire comme ta mère? Ah non, pas du tout. Je veux pas faire ça. La transmission, oui. c'est vraiment c'est important. Ça. C'est très important. C'est un patrimoine. Ouais. C'est un vrai patrimoine qu'on a en France. De fabriquer encore ici, à Paris, de la vraie haute couture. Ça, c'est une grande chance. Et de transmettre ce métier. C'est un métier de passion, donc automatiquement, on a envie de les transmettre. On ne veut pas que ça se perde. J'imagine que la pression monte petit à petit lorsque le jour J du défilé arrive. J'ai les mains moites avant le défilé, j'ai le trac, je suis... Je ne sais pas quelle heure il est, j'ai les yeux qui sont partout, c'est... On va vous retrouver, justement, quelques minutes avant le défilé et on va aller côté coulisses. Pour la maison Chanel, le grand jour est arrivé. Dans ce vestiaire féerique, 71 modèles qui représentent des milliers d'heures de travail. Alors, à quelques minutes du défilé, la tension monte. Cécile, notre première d'atelier, ne tient pas en place et fait le tour de ses trésors. Tu vois, tu mets ça comme ça. Et tu les positionnes comme ça. Comme ça. Ok. Voilà. D'accord. Hein? Okay. Surtout, ça ne s'enfile pas. Oui, je sais que tu sais, mais je préfère lui dire. Tu vois pas? Dernier petit conseil aux habilleuses, car Cécile va bientôt devoir leur laisser ses bébés. Je préfère leur expliquer. C'est pour moi surtout. Mais je suis pas nerveuse. Bonjour. Bonjour. First look, on habille, mesdemoiselles, s'il vous plaît. Après les défilés, les applaudissements et les hurrahs, la plupart de ces modèles d'exception ira rejoindre les trésors du patrimoine de la maison. C'est le cas chez Chanel, comme chez toutes les autres maisons de haute couture. Et notamment chez Christian Dior, l'autre grande maison. Dans son showroom Avenue Montaigne, Dior expose ses looks mythiques, et notamment ceux de la toute première collection de 1947. À 40 ans, alors inconnu du grand public, Christian Dior, au sortir de la guerre, propose aux femmes une nouvelle ligne, la ligne Corolle. Ces deux vêtements représentent complètement la révolution de la première collection de Monsieur Dior au printemps-été 47. Ce sont deux vêtements de la ligne Corolle et bien sûr le fameux tailleur emblématique, le tailleur Bar. Les seins haut placés, la taille très très fine et les hanches accentuées pour avoir un contraste très important entre une taille très très fine et des hanches plus larges. Monsieur Dior disait qu'il voulait rendre les femmes plus belles et plus heureuses. Le style New Look était né selon la fameuse expression d'une journaliste de mode américaine séduite par la collection. Tout le monde s'est aperçu qu'en fait, cette collection démodait toutes les autres. Et c'est pour ça que c'est vraiment une vraie révolution. Tout à coup, en février 1947, Dior restaure le goût du luxe, le goût de l'opulence, le goût de la féminité, dans une période qui était encore marquée par la pénurie textile notamment. Donc il relance le goût du rêve en fait. Et les femmes vont adorer, vont rêver de ça. Il relance le goût du rêve, mais il relance aussi un certain formalisme, aussi bien pour le corps, qui est à nouveau corseté dans des vêtements qui sont lourds, qui sont extrêmement armaturés, qui sont contraignants pour le corps. Et une mode aussi qui est contraignante dans la mesure où, pour chaque circonstance de la journée, il va trouver une toilette appropriée. Et notamment la fameuse robe de cocktail, puisque il va faire de cette robe de cocktail un des éléments emblématiques de sa production. La robe de cocktail, mais aussi la robe de bal. La robe Junon de la collection 1949 en est le meilleur exemple. Un des trésors les plus précieux du patrimoine Dior. Les pétales sont
constitué d'une bande de paillettes de coloris plus foncés pour organiser le tour du pétale, de 5 couleurs différentes dans les tons de bleu et de vert. Et puis, vers l'intérieur, il y a des petites cuvettes. En fait, ce sont des paillettes plus creusées, qui sont irisées et qui donnent toute la lumière sur la robe et qui magnifient cette robe du soir. Il y avait une robe de bal à choisir pour évoquer Monsieur Dior, ça serait cette robe Junon qui fait rêver encore maintenant dans les trois musées dans lesquels elle se trouve également. Christian Dior savait aussi utiliser avec élégance le savoir-faire des plisseurs. Le plissé, un incontournable de la maison Dior que ses successeurs, de 1957 à nos jours, réinventent sans cesse. Et là, c'est un très beau plissé qui est présent dans la collection de la haute couture printemps-été 2015, un plissé réalisé par la société L'Oignon. En fait, cette jupe est construite avec des panneaux de hauteurs différentes pour retrouver ensuite ce volume. Et ces panneaux sont brodés de rubans. Parfois, ils sont superposés les uns aux autres. Donc, il y a déjà un vrai premier travail ici, sublime. Et ensuite, ces différents panneaux sont plissés, mais à des profondeurs différentes, en un plissé accordéon, pour avoir ce volume qui graduellement s'ouvre de plus en plus et donner cette belle ouverture corolle très typique des robes Dior. C'est ici, dans l'atelier L'Oignon, que les maisons de haute couture font encore réaliser leurs plissés, à deux ou à quatre mains selon un savoir-faire séculaire. Un atelier de légende qui, depuis 1850, a su créer plus de 3000 plissés différents. Raphaël, jeune contremaître, prépare l'un des plissés les plus classiques, le plissé accordéon. Donc là, je vais placer un panneau de tulle préalablement repassé pour qu'il n'y ait plus aucune trace de pliure. Le panneau de tissu est alors enserré entre deux cartons mis l'un sur l'autre, appelé un métier. Élise, est-ce que tu peux m'aider à fermer, s'il te plaît ? Donc là, on va remettre l'épaisseur de carton du dessus strictement correspondante au pli du métier du dessous. Quand on referme, moi je trouve ça magique parce que je me dis, mon Dieu, si la mousseline a bougé à l'intérieur, la surprise, on l'a en démoulant le lendemain. Chaque pli est alors réalisé un à un. Un savoir-faire d'excellence à l'aveugle, ou presque. Il y a un petit claquement à chaque fois que je fais un pli. C'est le poids qui se lève et redescend. Si jamais il y a un problème, le bruit ne va pas être le même puisqu'il y aura une surépaisseur, par exemple. Et je vais sentir ne serait-ce que le bruit, et à la main, je vais sentir une surépaisseur. Là, si le tissu est légèrement déformé, ce qui peut arriver sur des tissus teints ou sur des mousselines très fragiles, je peux, à l'œil et avec le doigt et avec le souffle, je peux venir placer pour compenser. Ça va être la tension du métier, ça va être au moment de plisser. On peut faire avec les aléas de la matière, soit parce que au niveau de la teinture ça a été déformé, soit parce que c'est très fragile, ce qu'une machine ne peut pas faire. Je vais venir rouler pour faire en sorte d'être parallèle à chaque pli. Voilà, j'arrive au dernier pli, je suis parallèle. Le cylindre est alors placé dans cette étuve à 85 degrés pendant une heure. Le temps de séchage, lui, est beaucoup plus long, 6 heures minimum. Loin de tomber en désuétude, le plissé évolue. Aujourd'hui, les créateurs demandent de plus en plus de plissés fantaisie sur des matières très différentes, comme le cuir par exemple. Mis à rude épreuve, les métiers en carton s'abîment rapidement et l'atelier doit régulièrement les renouveler. Un savoir-faire indispensable, c'est celui de Marion. Toute la journée, elle construit ses origamis géants. Pour lui faciliter la tâche, aujourd'hui un rainage numérique la guide, mais le reste est fait main, pli par pli. Selon votre sens du pli, là vous voyez que vous avez un pli creux, ce qu'on appelle un pli en vallée, et un pli en montagne. Vous allez plier dans le bon sens. On a pré-plié en fonction des montagnes et des vallées chaque pli. Et maintenant, on essaye de le mettre
en forme. Si vous inversez un pli vallée avec un pli montagne, ce qui fait que tout votre métier après va être inversé, vous n'avez plus qu'à recommencer. Ce que je préfère faire dans mon métier, c'est créer de nouveaux métiers. Généralement, on a des maisons qui nous demandent des choses qu'on n'a pas forcément dans nos archives, malgré le grand nombre de métiers que l'on a. Par exemple, le dernier métier que j'ai fait, c'était pour la dernière collection de Chanel. C'était même deux métiers qui ont le même motif, mais avec des mesures différentes. En fait, ce sont des croisillons. Ça se croise. Là, vous l'avez en plus grand. Hop, là, vous le voyez mieux. En fait, les plats se croisent. Donc, c'est toute une recherche, en fait, de mesures et des géométries, de sorte à ce que chaque pli arrive au bon endroit, afin que ça se croise et que ça puisse bien se plier. Il lui a fallu plus d'un mois pour réaliser ce nouveau métier. Pousser les métiers d'art à aller toujours plus loin pour innover dans l'art de vêtir, être le premier visionnaire à lancer les nouvelles tendances de la mode de demain, c'est ce que recherche chaque maison de haute couture qui rivalise de créativité. Chez Dior, le créateur Ralph Simons a créé cette robe en 2014, voguant avec audace sur le thème de la récup version haute couture. On ose le sacrilège, peut-être, effectivement, puisqu'on ose associer un organza de satin à de la gomme, qui est une matière beaucoup moins noble, ça c'est une première chose. Et puis, deuxième chose, c'est que les éléments évidés, on les récupère, entre guillemets, pour les utiliser comme éléments de broderie, d'une part pour le haut de la robe et également aussi pour la partie fourreau de la jupe. Et donc ça donne maintenant une vraie robe tout à fait technique, très, très novatrice et complètement différente d'une robe qui au départ était tout bêtement en organza de satin. Chez Schiaparelli, pour la collection été 2016 sur le thème du dîner, le créateur Bertrand Guyon, lui, est allé chercher un artisanat d'art plutôt insolite dans la haute couture. L'idée, c'était d'avoir des porcelaines qui soient vraiment complètement intégrées au travail. Et chaque pièce est réalisée avec les codes de la maison. On est parti sur des recherches qui sont réalisées un peu avec ce que nous avons. Là, en l'occurrence, chaque plaque de porcelaine a été travaillée avec un carton pour voir si ça fonctionnait. Le carton est troué et puis crocheté d'une manière assez rapide, juste pour voir si au fond, l'idée pouvait être intéressante. Et à partir de là, on est parti sur des échantillons de porcelaine que nous avons fait faire. Chaque petite plaque en elle-même est un petit bijou vraiment ravissant. Là, par exemple, ici, au tout début, il y avait des petites fleurs un peu naïves, c'est-à-dire qu'en fait, elle était partie vraiment de cette photocopie d'assiette collée sur un carton, mais au final, c'était un petit peu... Voilà, c'était pas forcément très intéressant. Et progressivement, on est venu très naturellement à retraduire les codes de la maison, ce qui était beaucoup plus identitaire par rapport à la maison Schiaparelli. Et sur cette veste qui est réalisée avec des torchons anciens et brodée de petits nids, on voit les petits boutons qui racontent un peu l'histoire de l'œuf, avec l'œuf qui devient l'œuf fêlé, puis cassé, et ensuite qui devient un petit œuf sur le plat. C'est à Saune, dans la Drôme, très loin de l'ambiance feutrée des salons de haute couture, que Bertrand Guyon a trouvé une porcelainière. Artisan d'art depuis près de 40 ans, Hélène Latoumessy est connue pour son savoir-faire, la finesse et la délicatesse de ses pièces uniques. Je pense qu'ils m'ont choisie parce que je suis dans le détail, moi. Je travaille beaucoup le détail et la haute couture, c'est ça, c'est vraiment travailler le détail. Il n'y a pas cette histoire d'être rentable, pas du tout, dans la haute couture. Et moi aussi, j'ai ça. Je m'en fiche d'être rentable ou pas. Je fais ce que j'ai envie au mieux.
au mieux de ce qui m'intéresse. Et du coup, on s'est rencontrés par là. Ouais. C'est la première fois qu'Hélène travaillait pour la haute couture. Et malgré son savoir-faire exceptionnel, cela n'a pas toujours été simple de s'adapter aux exigences. Les œufs, c'est ce qui a été le plus dur à mettre au point, en fait. Si je les cuis directement sur la plaque d'enfournement, ça colle, comme là. Donc je suis obligée de les cuire suspendus. Mais comme c'est de la haute température, moi je cuis à 1300 degrés, ça fond, ça joue beaucoup. Et donc l'émail, si à peine un peu épais, faisait cette petite boule là, qui est vraiment pas belle dans la forme d'un œuf. Donc du coup, pour pas avoir ça, j'ai dû émailler très très fin. Mais en émaillant trop fin, l'or ne peut pas être brillant. L'or prend, à la recuisson, prend le brillant du support. Donc si mon émail est trop fin, il devient un peu mat. L'or, du coup, reste mat. Et donc ceux-là aussi ont été refusés. Donc j'ai fait plein de petits œufs. Celui-là est réussi. Quand j'ai ça, j'étais bien contente. Pour arriver à cet équilibre parfait, Hélène a dû jeter 80% de sa production. C'est le tournage à la motte. En fait, vous imaginez bien ce tout petit œuf, je ne peux pas le faire directement sur ma girelle, sur ce plateau. Donc je suis obligée de le faire sur une motte de terre. L'air est enfermé dedans. À partir de là, je peux trouver ma forme. La porcelaine, c'est une très très belle matière, ouais. Et qui a une référence historique. Je pense qu'ils sont allés chercher aussi ça à travers mon travail. Ouais. Après, je l'enlève. Tac. Dans 24 heures, ce petit œuf sera prêt à être dégourdi, c'est-à-dire cuit dans un four à 980 degrés. Pour ensuite être émaillée. Donc comme c'est des toutes petites pièces, je mets mon émail dans un pot. Après l'émaillage, les pièces sont cuites à nouveau à 1300 degrés. Un artisanat d'art ancestral dont les contraintes ne sont pas toujours faciles à concilier avec celles de la haute couture. C'est vrai que nous, en céramique, on a un délai d'au moins une semaine à 10 jours, quoi. C'est pas... Il y a un cycle avec la terre. Alors qu'en haute couture, ils sont tout le temps, de ce que j'ai vu, hein, ils sont tout le temps à la bourre. Il faut répondre du tac au tac comme ça. Et il y avait ce décalage-là, oui. Direction le four à gaz. Les créateurs de haute couture ont toujours été à la recherche de nouvelles matières pour de nouveaux rendus. Aujourd'hui, les nouvelles technologies leur permettent d'innover encore davantage. En 2014, dans sa collection Hommage à l'architecte Le Corbusier, Karl Lagerfeld pour la maison Chanel est allé plus loin dans cette démarche, jusqu'à l'inimaginable, des broderies en béton. C'est carrément gonflé, enfin, vraiment mettre du béton dans la haute couture, ça semble tellement improbable. Et pourtant, voilà, il l'a fait, ça marche très bien et on a ici une robe parfaitement glamour. Donc c'était possible. Et une fois de plus, je crois que le parallèle avec la démarche de Gabrielle Chanel, qui elle-même, en 1913, va utiliser des matériaux dits pauvres à l'époque, c'est-à-dire des matériaux qu'on ne considérait pas comme des matériaux nobles, eh bien quelque part c'est un petit peu peut-être la même démarche. Et voilà, plus de 100 ans séparent ces deux démarches et pourtant elles ont vraiment un point commun, ça c'est certain. La haute couture est la vitrine des métiers d'art français. Elle permet aux artisans de développer et de conserver leur savoir-faire et aux stylistes de pouvoir compter sur des techniques et des maîtres d'art d'excellence enviés et admirés dans le monde entier. Ensemble, ces hommes et ces femmes ont su sauvegarder plus d'un siècle de luxe. Ensemble, ils créent aujourd'hui les trésors et le patrimoine de la haute couture de demain en s'inspirant de l'héritage d'hier. Comme
vous venez de le voir, la haute couture française rayonne dans le monde entier et cela, a priori, ne devrait pas changer. Tout cela, c'est grâce au talent de ces hommes et de ces femmes qui ont un savoir-faire et une passion absolument exceptionnels. Pour ma part, j'espère vous avoir fait découvrir des chefs-d'œuvre qui font notre fierté et je vous retrouve très bientôt pour découvrir de nouveaux trésors.